Yo les gars, nouvelle boutique du 23 janvier 2020. On va bientôt arriver en février. Donc c'est parti. Alors, la terreur sombre qui revient encore une fois au prix de 1200 V-Bucks. Le symbole sombre au prix de 500 V-Bucks. Ok. Et la petite pioche foudre rageuse que je possède. Je l'aime pas trop parce qu'elle est un peu grosse. Mais c'est vrai que quand les cornes sont énormes et que ça bouge, c'est magnifique. Ensuite, la tenue Rafale au prix de 2000 V-Bucks. C'est un peu cher, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, la tenue Foudre qui n'a rien à voir, je pense. Enfin, pour moi, elle n'a rien à faire dans ce pack au prix de 800 V-Bucks. Ensuite, la petite pioche électrique au prix de 1200. Le planeur Œil de l'Orage au prix de 1200 V-Bucks. Et le petit revêtement au prix de 500 Turbulence. On continue avec Jagger. Oh là 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 là. Oh punaise. Mais je le kiffe de ouf. Il est magnifique. En vrai, il est beau. Un viking. Mais en fait, c'est surtout l'ours là. Regardez-moi ça. Au prix de 1500 E-Bucks. Lui, il devait être super rare, je pense. Depuis la saison 7, je pense qu'il n'était pas ressorti. Après, peut-être que je me trompe, mais il doit être super rare. Ensuite, la chauffarde au prix de 800 E-Bucks que je possède et que j'aurais pas dû acheter. La petite pioche beige dorée au prix de 800 E-Bucks. Qu'ils auraient mieux fait de mettre à 500. Je pense que beaucoup plus de gens l'auraient acheté à 500. Ensuite, la nouvelle emote coup du bouchon. Ok. Infecté au prix de 500 V-Bucks. Et marteau queener au prix de 1500 V-Bucks. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'aurai bientôt mon code créateur. Donc, j'aimerais qu'il y en a qui le rentrent. Mais je l'ai pas encore. Donc, voilà. Allez, ciao.